crois que c'est la première fois à Lunel, une exposition. Bon, je sais que c'est pas très loin, à mon auberge, il n'y a pas très longtemps, tu as fait quelque chose. Ouais. Mais sur Lunel même, c'est la première fois. Ben, Lunel même, c'est la première fois que je... Je passe en live. Oui, je passe une peinture en live. C'est la première fois, c'est vrai. C'est grâce à toi. Une exposition, oui, aussi, première fois. Tout à fait. Dans une association, en plus. Donc, pour nous, ouais, c'est une galerie, mais pas vraiment. Donc, c'est vrai qu'on est une association qui fait du socio-culturel. Oui. Et du coup, on utilise notre espace, les murs, en fait, pour faire une exposition. On t'a demandé, en fait, de venir d'exposer ici. Nous, c'est la première fois qu'on expose ce type d'expression, on va dire. Et on est très fiers de t'accueillir à Lunel. C'est gentil, merci. Farouk, tu peins depuis combien de temps, toi, à peu près? Ben moi, ça fait une vingtaine d'années que je... La première fois que j'ai touché un pinceau, c'est en 2000, ça fait à peu près 20 ans. Mais que je peindrais, on va dire, à fond, ça fait 3 ans, depuis 2016. D'accord. La première fois que j'ai touché un pinceau en 2000, puis après j'ai pu retoucher pendant 15 ans. Pardon, en 2016, non. En 2016, j'ai décidé d'en faire mon métier. D'accord. Et là, c'est parti, apparemment, on te voit régulièrement quand même sur les réseaux sociaux et tout ça. Tu es assez présent. Ben, je suis assez présent parce que mon travail a l'air de plaire. Tant mieux pour moi. Et c'est un peu pour ça que je suis là ce soir. Ouais, en tout cas, nous, on est fiers et heureux de partager en tout cas ton bonheur. Ben, parce qu'apparemment, tu prends plaisir oui, à faire ça. Ben, je suis venu ce soir parce que tu m'avais contacté par rapport à l'association. Ça m'a fait plaisir que vous me suiviez. Ouais. Et l'association me plaît, ça me faisait plaisir de venir ici travailler avec vous. En tout cas, nous, on te remercie d'avoir accepté. Et j'espère que tous ces tableaux qui sont là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà vendus, mais ceux qui ne sont pas vendus, j'espère qu'ils seront vendus. On va dire que ce n'est pas le but, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de curiosité, beaucoup de gens qui sont venus par curiosité, parce qu'ils découvrent, un Farouk. Voilà, qui est dans le milieu, on va dire, plutôt tauromachique. Donc, je pense qu'il y a ce côté intéressant. Je pense que voilà, demain, on va être aussi encore surpris, parce que moi, je pense que c'est parti pour qu'on ait un bel article. Je pense que Midi Libre t'ont interviewé, et j'espère que tu ne seras pas déçu. Nous, on est fiers de t'avoir accueilli à Lunel, en tous les cas. C'est gentil. Ben, moi, je suis très fier d'être venu ce soir. Travailler pour la sauce, un bon moment de convivialité. Rencontrer tous ces gens-là qui me suivent, il y a des gens qui sont venus d'assez loin quand même, de Bolène. Et puis de rencontrer tout le monde, vous allez continuer à me suivre et puis on fera ça l'année prochaine, c'est pas un souci. Franchement, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on peut déjà se donner rendez-vous parce que franchement pour moi ça a été une réussite. Et puis voilà, je te dis, ça nous a amené plein de couleurs dans ce local et voilà, on est très heureux de t'accueillir. Et puis voilà, maintenant tu es, on va dire, l'ami de l'association Agriculture. Oui, ben, j'ai rencontré Jean JC, Tard, Thérèse. Je connais tout le monde, maintenant je suis un peu chez moi ici. Super. Franchement, c'est un peu cet ensemble qui m'a fait venir. Super. En tout cas, merci à toi. Voilà, après moi, tout le reste. Bon, c'est à partir du moment où je me sens bien. Je me suis senti bien dès la première fois qu'on s'est croisés, depuis le début.